Donc je vais laisser la parole à notre artiste. Vous allez m'excuser en fait parce que j'étouffe avec du masque. Je vais garder la distance. Je vous remercie et je remercie déjà Tapi France parce qu'ils m'ont trouvé sur internet. Oui. Voilà, ils m'ont demandé si je pouvais présenter mon travail. Donc, le travail sur le lotus. Donc voilà, je remercie ceux qui me suivent d'expo en expo. Voilà, il y a mon équipe qui est là. Et c'est un travail qui a été déjà présenté dans pas mal de lieux ici à Rennes. Et à chaque expo, je cherche toujours à apporter une nouveauté, quelque chose de plus. Et en même temps, il y a eu aussi l'opportunité avec Catherine Legrand pour proposer en fait aux écoles. Là, par exemple, à la rentrée, dès le mois d'octobre, on commencera à avoir des ateliers périscolaires sur le thème de lotus. Pourquoi la maternité de la fête de lotus? J'ai posé la question aux gens en fait parce que moi, avec un regard d'artiste aussi, un regard parce que je vais tout le jour, presque tous les jours, voir le lotus, photographier l'évolution. C'est pas les conditionnements que je vais faire là, je ne conditionne pas. Mais... en fait, si on regarde bien, en fait, ça ressemble aux villes, à une ville. C'est-à-dire l'organe génital de la femme. Donc on a eu l'idée de mettre en place des balades en écho à cette expo, qui était exposée d'ailleurs au Gaël.